France Musique. France Musique, musicienne de légende, Marina Chiche. Et bonjour, ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous estival autour des musiciennes de légende. France Musique, musicienne de légende, Marina Chiche. Dans la classe de Rostropovitch, avant la génération de Natalia Gutman et de Karine Georgian que rencontra Jacqueline Dupré lors de son séjour à Moscou, il y avait déjà d'autres grandes violoncellistes, notamment deux dont j'aimerais vous parler. Nées dans les années 30, elles devinrent aussi de grandes professeurs et ont formé des générations. La première est née à Yerevan en 1932. Elle est diplômée du conservatoire Tchaïkovski de Moscou en 1956 et elle s'appelle Medea Abrahamian. Après avoir remporté de nombreux prix, elle devint une professeure fantastique. Elle aussi, il suffit de la voir jouer pour percevoir sa maîtrise de l'instrument, sa posture sur le violoncelle, où le poids de chaque bras est transféré de manière idéale sur les cordes. Écoutons-la dans trois pièces virtuoses. D'abord Debussy, Minstrel, puis la danse du Diable Vert de Cassado, suivie de la marche de Prokofiev. Thank you.
Sur France Musique, la grande violoncelliste arménienne Medea Abrahamian, successivement dans Minstrel de Debussy, La danse du diable vert de Gaspar Cassado, puis La marche des trois oranges de Sergueï Prokofiev. Merci à toute l'équipe de l'émission, Françoise Cordet, Florian Henault et Philippe Mercher. Cet épisode ainsi que les épisodes précédents sont disponibles à la réécoute sur le site de France Musique et en podcast sur l'appli Radio France. Et on se retrouve dimanche prochain, 16h. À réécouter sur francemusique.fr.